Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de l'enzymothérapie. Ça fait un petit moment que je poste des vidéos et des photos sur l'enzymothérapie. Je reçois beaucoup de questions, donc j'avais envie de faire une vidéo, ou plutôt des vidéos, pour expliquer un petit peu ce que c'est. Mais avant d'expliquer l'enzymothérapie, donc c'est-à-dire le lissage enzymatique, le lissage tanin avec des enzymes, j'aimerais vous parler d'un soin que j'affectionne beaucoup, beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de clientes qui viennent au salon pour mettre des extensions. Pourquoi ? Parce qu'elles ont fait une catastrophe avant sur leurs cheveux, donc elles ont les cheveux abîmés. Donc j'ai beaucoup de clientes qui viennent avec les cheveux abîmés et j'ai un soin pour vous. C'est nouveau, enfin c'est assez récent, c'est miraculeux. Je ne vais pas dire miraculeux parce que voilà, faut pas mentir, il n'y a pas de miracle. Mais on va réparer votre cheveu bousillé, si je puis dire. On va réparer votre cheveu au plus profond de son âme. Voilà. Oui, jusque là. Le soin dont je voulais vous parler, c'est le soin, comment je l'appelle, l'enzymothermique repair. Voilà, ça va être un soin avec des enzymes. Je vais vous expliquer pourquoi, avec plein d'huile, des huiles essentielles et aussi du tanin. Et tout ça va être en nanoparticules, c'est-à-dire plus petit que microscopique, c'est nanoscopique. Ces nanoparticules vont pénétrer au cœur du cheveu pour le réparer et surtout pour essayer de réparer les chaînes protéiques qui ont été un petit peu flinguées, qui ont été un petit peu cisaillées à certains endroits. Donc c'est pour ça que les cheveux ils cassent et qu'il est abîmé. Et donc on va essayer de réparer, de réorganiser tout ça grâce à ces huiles essentielles, et des huiles, le tanin et des enzymes. Et pourquoi les enzymes? Parce que tout simplement les enzymes c'est un catalyseur, ça veut dire que ça va booster la réaction, ça va aider à ce que la réaction se fasse plus vite et plus loin et plus fort. Donc on aura des résultats meilleurs qu'avec des produits au tanin ou avec des huiles seules ou etc etc. Ce soin, je vais vous mettre des vidéos qui vont passer après donc cette présentation pour vous expliquer que ce soin, il est particulièrement adapté aux blondes qui ont décoloré leurs cheveux, qui n'ont pas forcément abîmé leurs cheveux, ou à celles qui ont beaucoup abîmé leurs cheveux. Parce qu'à partir du moment où vous éclaircissez, déjà, ça commence déjà à abîmer le cheveu, à l'assécher. C'est pas tout le monde, mais oh, je peux dire 80%, et je me trompe pas, je suis sûre. Ça commence à assécher, à abîmer votre cheveu, vous pouvez faire ce soin. J'espère que je vais pouvoir mettre une petite incrustation du soin par ici, des vidéos de ce qu'on peut avoir comme résultat, ou alors je le mettrai à la fin de la vidéo. Voilà, donc ce soin, vous pouvez donc réparer votre cheveu qui commence à devenir un peu chewing-gum. Alors quand il devient chewing-gum, c'est que c'est limite pas rattrapable. Quand il devient tout élastique, quand vous le mouillez. Et bien avec ce soin, on va pouvoir renforcer le cheveu jusqu'à ce qu'il ne casse plus. Alors pour certains cheveux, il faudra un soin sera suffisant. Et pour d'autres, il en faudra 3 ou 4. Ça dépendra du dégât de votre cheveu. Mais à partir du moment où vous allez renforcer votre cheveu et lui donner une hydratation intense, il sera de plus en plus fort et il va enfin pousser votre cheveu. Je pense que c'est ce que vous voulez. Vous voulez des beaux cheveux, brillants, doux, qui n'accrochent pas parce que c'est horrible ça quand... Et puis ça ne veut pas passer. Des cheveux doux, soyeux qui sont vivants et qui poussent. Je pense qu'on a tous envie d'avoir des longs cheveux, pas toutes, mais si vous regardez ma chaîne, c'est que généralement vous avez envie d'avoir des longs cheveux. Donc si vous voulez des longs cheveux, il faut surtout empêcher cette casse. Donc le soin, c'est donc qui s'appelle l'enzymothermique repair. Donc je vous ai dit, il y a des huiles, l'huile de jojoba, huile d'olive, huile d'argan, donc c'est plein d'huiles hyper nutritives, hyper hydratantes, catalysées avec des enzymes pour aller au plus profond, et du tanin, ça va au bout, je vais vous dire que ça va au bout et ça va au but, donc ça va au bout. Donc ce soin, vous pouvez le faire au salon, vous pouvez le faire dans d'autres salons, on n'est pas beaucoup à proposer les soins enzymatiques, mais je vous le conseille vivement. Et je vous conseille aussi de prendre la gamme qui va avec.
tout ce qui est shampoing, masque, huile, parce que c'est vraiment une tuerie. Il y a dans toute la gamme, vous avez le tanin, l'argan et les enzymes. Donc vous allez pouvoir continuer le processus à la maison. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. J'espère que j'ai pas oublié d'informations. Je me pose une question. Est-ce que si j'ai un cheveu flingué, il va redevenir normal bien après? Ben, j'ai envie de vous dire, les filles, soyons raisonnables. Si on a un cheveu qui est mort de chez Deb, peut-être qu'il va redevenir à peu près bien, mais je ne pense pas qu'il va redevenir voilà, comme un cheveu sain. Mais petit à petit, il va être de mieux en mieux. Au bout de 2 ou 3 ou 4 soins, là franchement, votre cheveu ne va pas casser. Déjà, c'est la meilleure des choses. Il ne va pas casser alors qu'il était chewing-gum et que rien que vous faites ça, les cheveux restent dans vos mains. Ça, c'est vraiment quand vous avez atteint la catastrophe nucléaire. Les cheveux, quand ils sont en chewing-gum, il ne faut pas que ça casse. Donc, vous allez le renforcer pour éviter la casse. Et si vous hydratez quotidiennement après chez vous, je pense que vous allez obtenir un cheveu potable. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me poser d'autre comme question? Ah oui, les filles qui ont fait des défrisages et qui ont abîmé leurs cheveux. Donc, que ce soit abîmé un petit peu ou beaucoup, c'est-à-dire que même là aussi, avec des défrisages, on peut avoir les cheveux chewing-gum. C'est parfait pour vous aussi. Donc, je vous le conseille vivement. Et puis, si vous voulez passer à un level au-dessus, vous pouvez faire ce soin-là et puis le lissage enzymo. L'enzymatique. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera sur le lissage enzymatique. Il y aura peut-être aussi un crash test avec ma soeur si elle veut bien. Crash test, etc. pour vous montrer les avant-après. Et quoi d'autre? Plein de vidéos qui vont arriver avec ces nouveaux lissages tanin parce que vous avez beaucoup de questions. Vous vous demandez ce que c'est. Et j'ai aussi une autre vidéo pour vous expliquer la différence entre lissage brésilien, lissage tanin. Et dans la catégorie des lissages tanin, vous avez le lissage tanin et le lissage enzymo qui est aussi un lissage tanin mais démultiplié avec les enzymes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Attention, n'oubliez pas les petits likes s'il vous plaît, ça fait plaisir. À bientôt.